Voilà, je vais créer un chef-d'œuvre. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, nous allons parler d'art. Hoje chegou o grande dia de você descobrir tudo sobre vocabulário, de materiais para você produzir une vraie œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Pour commencer, nous avons un pinceau. Un pinceau sert à mettre de la peinture sur une toile. Este é pincel, un pinceau. Pinceau. Presta atenção que se escreve E-A-U à la fin, mas a gente fala O. Un pinceau. E quando eu uso a estrutura que sert à, eu estou explicando para que serve este objeto. Il sert à mettre de la peinture sur une toile. Aqui eu já usei várias palavras que eu vou te ensinar hoje. A segunda que eu usei foi que sert à mettre de la peinture. Peinture, c'est ça. De la peinture. Ah ah, de la peinture verte. Oh, de la peinture verte. Je mets de la peinture verte avec un pinceau. Je mouille. Ah, aqui mais uma palavra para você descobrir. Je mouille ou je trempe. Je trempe mon pinceau dans la peinture verte. Aproveite enquanto eu estou fazendo essa meleca para repetir essas frases comigo. Je mouille ou je trempe mon pinceau dans la peinture verte. E para você falar a palavra peinture, lembre, por favor, de abrir um sorriso. Peinture. É um sorrisão e o bico do francês. Peinture. Falando em peinture, a profissão, o pintor, vem desta palavra também. E aí a gente fala un peintre. Un peintre. E se for uma mulher, une peintre. É a mesma palavra. Un peintre, une peintre. Un peintre, une peintre. E esse é o meu pai. Un peintre. Un vrai peintre. Mais, si je veux mélanger la peinture, je vais utiliser... Ta-da! Une palette. Pour mélanger la peinture, j'utilise une palette. Para misturar tintas, eu quero fazer uma mistura de tintas. Mélanger. Mélanger é misturar. Si je veux mélanger la peinture, j'utilise une palette. Aqui é uma caixa de ovo, mas eu usei como palette. Une boîte d'œuf que j'utilise comme palette. Une boîte d'œuf que j'utilise comme palette. Pour mélanger la peinture. Attention, pour étaler la peinture, j'utilise un rouleau à peinture. Ça, c'est un rouleau. Un rouleau à peinture pour étaler la peinture. Para espalhar a tinta. Então, pour peindre, j'utilise un pinceau. Pour étaler la peinture, j'utilise un rouleau à peinture. Je peux peindre sur une toile ou sur une feuille. Voilà, une feuille. Je peux peindre sur une toile ou sur une feuille. Eu posso pintar em uma tela, une toile ou une feuille. Uma folha. E para falar essa palavra feuille, feuille, tem que fazer aquela cara que eu chamo de cara de vômito. Une feuille. Feuille. Tem que dar uma, abrir um pouco a boca, falar um O, como se você fizesse a boca de um A. Feuille, feuille. E terminar com o som do I. Une feuille. Une toile. E olha que curioso, toile a gente usa para várias coisas. Inclusive toile d'araignée, que é uma teia de aranha. Une toile também é usado a palavra toile. Agora, outro som interessante é o som que aparece na palavra une œuvre d'art. Œuvre d'art, uma obra de arte. Tem essas letrinhas grudadas, o E grudado no O. Une œuvre d'art, uma obra de arte. Você tem que fazer como se fosse a boca de um A falando O. Une œuvre d'art, une œuvre d'art. E se for uma obra-prima, a gente chama isso de un chef-d'œuvre. Se escreve com F, mas você não pronuncia. Un chef-d'œuvre. Et quand le tableau est prêt, quando o quadro está pronto, aí a gente chama de tableau. Quand le tableau est prêt,
on va l'exposer dans une exposition ou dans une expo. Em francês, a gente tem esse hábito de cortar as palavras. Então, a palavra exposition, muitas vezes no cotidiano, a gente, ao invés de falar inteira, a gente fala une expo, tá? Então, le tableau est prêt, on va l'exposer, a gente vai expor o quadro à l'expo. Expo, une expo. Voilà! J'espère que vous aurez aimé. Et maintenant, dites-moi quel est votre artiste préféré. Qual é o seu artista preferido? Então, você vai construir a frase dizendo mon artiste préféré, c'est... E o nome do artista. Mon artiste préféré, c'est Sergio Fingerman. Voilà! Merci beaucoup et à la prochaine! Ciao!